Et salut à tous et bienvenue au monde de la folie Zatrix. On se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre carrière pro gardien, toujours à Toulouse. Et donc, je suis d'accord avec vous, vous me l'avez beaucoup dit dans les commentaires, les vidéos sont trop longues. Donc, je vais tester un nouveau mode de montage pour cette vidéo-là. On va tester des choses, vous me direz dans les commentaires si ça vous va. On va essayer de faire beaucoup moins de temps. Toujours 5 matchs quand même, mais on va essayer de réduire un peu ça. Allez, donc, on va partir pour Toulouse. Saint-Étienne, donc vous m'avez demandé de changer un peu les maillots qu'il y avait là, j'ai pas trop compris. Donc, Wall Stadium, on est obligé de mettre de nuit par contre. On est obligé de mettre de nuit le Wall Stadium parce que sinon c'est injouable. Donc, Toulouse-Saint-Étienne, c'est parti. Donc, c'est parti face à l'AS Saint-Étienne à domicile. Donc, j'espère qu'on va continuer sur notre lancée et essayer de gagner des matchs un peu. Bon, je vous avoue, cette semaine, j'ai vraiment pas eu le temps de jouer. D'habitude, je joue un peu entre les épisodes. Là, cette semaine, j'ai vraiment pas eu du tout le temps de jouer. Donc, j'espère que ça va quand même bien se passer. Ok, d'accord. Wow. Gelson Fernandez, première occasion. Tranquille, il te met une mine sous la barre. Bah, ça commence bien. Ça commence très très bien. Wow, quelle frappe! Quelle frappe! Bon, bah, du coup, ça passe. Non, Gelson Dalla en plus. Pourquoi Fernandez? Je sais pas pourquoi. Bref, bah, ça se passe bien. Et on espère que ça va continuer comme ça pendant tout le match. Ouf! Pour une fois sur corner, on a été dangereux. Oh là là! Quelle action, mais quelle action est pas bonne. Qui finit le travail. C'est beau. C'est très beau. Regardez-moi cette action. Et donc, 2-0, ça se passe très très bien. Oh là 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 mais ils sont complètement dépassés par nos occasions, Saint-Étienne. C'est impressionnant. Ils se jettent. Et nous, à la finition, on est bien 3-0. 3-0, Corentin Jean. Ça fait vraiment plaisir de voir des matchs comme ça. Surtout face à Saint-Étienne, qui est quand même. C'est pas une petite équipe de Ligue 1, Saint-Étienne. Hein, Donc ça fait vraiment plaisir. Oh là là, mais c'est abusé. La première mi-temps parfaite. On a de la chance, de la réussite. Tout ce qu'on tente, ça rentre. Si tous les matchs pouvaient être comme ça. C'est beau. C'est beau, ça fait plaisir. Allez, 4-0. Donc c'est la mi-temps, on mène 4-0 face à Saint-Étienne, que dire de plus? Bah j'espère qu'en deuxième mi-temps on va continuer comme ça. Ça serait bien. Et donc c'est la fin du match, victoire 4-0, deuxième mi-temps, c'est pas passé grand-chose. Mon tir arrêté, pas vraiment. Hein. C'est plutôt des trucs contrés que j'ai récupérés, donc c'était pas grand-chose. Donc on a totalement dominé Saint-Étienne et j'espère qu'on continuera comme ça lors des prochains matchs. Donc le deuxième match, ce sera face à Nantes. Petite équipe nantaise. Non, je vais pas mettre la pluie. On va mettre 18h30. Qu'est-ce qu'il y a comme temps? Météo. J'ai envie de tester couvert. Voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne. Donc, Estadio de la Saltes, Nantes-Toulouse, c'est parti. Donc c'est parti face à Nantes. On espère que ça va se passer aussi bien que le précédent match. Et bah, qu'on va kiffer quoi. On va kiffer. Oula, j'ai pas compris ce qui s'est passé, j'ai cru que j'allais la prendre.
Mais vas-y tout seul, Corentin Jean. Voilà. Salah qui était bien, qui a bien coupé la trajectoire au premier poteau. Mais je la capte tranquillement. Oh, l'ouverture du score. Aïe aïe aïe, le but du FC Nantes. Ah, c'est dommage. Je pense que je pouvais l'avoir, mais j'étais peut-être un peu mal placé. Ah, je sais pas. Je sais pas, j'ai hâte de voir le ralenti plutôt que de voir tous les joueurs se féliciter. Après, très belle action, quand même. Je savais qu'il allait frapper. Ah. Ouais, bof, je sais pas. Je sais pas du tout. N'empêche que ça fait quand même 1-0 pour Nantes. Alors qu'on a eu pas mal d'occasions. C'est la mi-temps, à la suite d'une mi-temps très équilibrée. Bon, au final, on est mené 1-0. Ben, c'est pas très grave, hein. Je pense que nos joueurs sont capables de remonter au score et d'égaliser. Et j'espère que c'est ce qu'on va voir en deuxième mi-temps. Mais, genre, c'était mon joueur qui l'avait récupéré? Ah, ça m'a surpris. Pour moi, c'était le joueur de. C'était mon défenseur qui l'avait récupéré. Oh, ce bug! Ah non, mais c'est vraiment lui qui marque contre son camp, mais la frappe qu'il m'a fait! Oh, c'est abusé. Oh, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, je sais pas. Ok. Bon, et eh bien, défaite 2-0 face à Nantes. C'est dommage après le match qu'on avait fait face à Saint-Étienne. Mais bon, je pense qu'on va réussir à se reprendre sur le prochain match. Et donc, le troisième match, ce sera donc face au FC Metz. Là, cette fois, il faut se rattraper. Il faut gagner ce match. Il faut gagner ce match au World Stadium face au FC Metz. C'est parti. Donc c'est parti face au FC Metz. C'est important, c'est un adversaire largement à notre portée. Et ça va être important de gagner. Et ouverture du score, direct. De pas bonne. Voilà, c'est comme ça qu'on veut que ça commence. Sur le match précédent, on n'avait pas été réaliste. Et là, direct, première occasion, on la met au fond. Très beau, magnifique. Et donc 1-0, allez. Oh, c'est dommage. Non, mais pourquoi il est tout seul au milieu? C'est pas possible. De prendre un but comme ça. Là, c'était très compliqué de l'arrêter. Il me tire dessus en plus, j'ai l'impression. Non. Peut-être pas assez réactif aussi. Je sais pas. Sur le ralenti, j'ai l'impression que je suis pas assez réactif. Et donc à la mi-temps, un partout. Je suis très déçu pour l'instant d'avoir pris ce but en fait. Parce que j'ai du mal à voir si c'est le fait que, si j'avais rien à faire ou pas. Parce que du coup, j'ai pas perdu de points, donc je sais pas. Bon, j'espère qu'on va réussir à quand même gagner ce match en deuxième mi-temps. Ça serait dommage sinon. Oh oui! Oh, j'ai cru que le gardien l'avait arrêté, mais non, c'est dedans quand même. Ah, pas bonne, tu fais plaisir. Il avait marqué face à la Saint-Étienne, et là, il marque face à Metz.
Ah, c'est le gardien qui a la main pas assez ferme. Et la frappe est belle aussi. 2-1, ça va bien. Oh, c'est un doublé, j'avais pas vu que c'était lui qui avait marqué le premier. C'est un doublé de Pabon. Ok. Nolan Roux qui a essayé de frapper, mais c'était pas compliqué à arrêter. Oh. Et donc c'est la victoire 2-1 face à Metz, ça fait vraiment plaisir, on se remet sur une bonne voie après avoir perdu face à Nantes. Et donc bah, on va voir si au prochain match on continue sur cette voie. Et donc le prochain match c'est face à Dijon, à Ivy Lane. Donc je pense que encore Dijon ça va être faisable. Hein. On devrait gérer face à eux. Donc Dijon-Toulouse, c'est parti. Donc c'est parti face à Dijon. En espérant que tout se passe bien, comme lors du précédent match. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Pas prendre de but cette fois, ce serait bien. Oh là là, Corentin Jean, mais. Il s'est pas croisé ses frappes, Corentin Jean. C'est le problème. Je pense qu'il aurait marqué plein de buts s'il croisait ses frappes sur ces occasions-là. Donc 0-0 au terme d'une mi-temps bof, hein, on va dire juste bof. Parce que voilà, à part les deux frappes que je vous ai montrées péniblement, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait vraiment pas grand-chose. Donc j'espère que ça va s'améliorer sur la deuxième mi-temps. Ah là, Corentin Jean, encore une fois, allez, mets-la au fond. Contrôle au moins, je sais pas. Ouf, allez, celle-là, je l'arrête, il n'y a pas de souci. Oui, Toivonen qui vient juste de rentrer et qui ouvre le score d'une frappe un peu surprenante, mais qui ouvre le score et c'est le principal. J'ai envie de dire que c'est mérité d'ouvrir le score. Après, le match est tellement peu passionnant que c'est compliqué de dire qui mérite ou pas d'ouvrir le score. Cette frappe est mystique. Je sais même pas comment il fait pour frapper le ballon comme ça. Enfin bref, ça fait but et c'est le principal. On mène 1-0, maintenant faut garder l'avance. Voilà. La parade sur la ligne. Tranquillement. Pourquoi je sors? Est-ce qu'on peut m'expliquer pourquoi je sors? Ça c'est mon péché mignon, ça. J'aime bien sortir pour intercepter les corners. Et voilà. Putain, je fais un arrêt juste avant. Et là, je te fais une grosse daube. Pourquoi j'ai fait ça? Ouf, allez. Je suis encore allé la chercher celle-là. Allez. Voilà. Bon, et eh bien c'est la fin du match. Je crois qu'il ne me compte pas tous mes arrêts là, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, un partout. Je suis déçu parce que c'est de ma faute si on fait un partout. Il ne me reste plus qu'un match à jouer. Allez, il faut le gagner celui-là. Il faut le gagner. Allez, du coup, le dernier match, ça va être un petit choc. Un petit choc face à l'OGC Nice. Donc Toulouse, OGC Nice, au Wallstadion Stadium. C'est parti. Donc c'est parti face à l'OGC Nice qui. Ah oui, ils ont recruté André Pierre Gignac! Du coup, ça va être un match où on peut gagner si on est concentré pendant tout le match. Ouh, dommage le corner qui était bien frappé. Oh, oh pas bonne, oh pas bonne l'ouverture du score, mais oui,
Il est tellement fort ce joueur. Tac. Ah oui, d'accord, il frappe de l'intérieur du pied. Je me suis dit, waouh, c'est quoi cette frappe encore? Mais non, c'est une frappe normale, ça. Oh non, pas de chance. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour Nice, là, de prendre un but comme ça. Et c'est Gelson. C'est Gelson. C'est Dalla. Gelson Dalla qui marque. Enfin, je pense que. Je sais pas si ça va lui être compté ou pas, à lui. Ouais, je pense pas. Ou je pense pas du tout. Parce que. Elle est quand même bien contrée. Hein. Ah bah si. Elle lui est comptée pour lui. La frappe devait être cadrée à l'origine alors. Donc, c'est la mi-temps, on mène 2-0 face à Nice. Un très beau but et un autre but un peu malheureux, franchement, pour Nice. C'est dommage. Ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Ils en ont eu une ou deux qui n'ont pas été vraiment franches. Et là, ils font rentrer Balotelli. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une doublette Gignac-Balotelli en pointe. Ça risque de faire mal. Oh, le poteau de Corentin Jean qui a croisé sa frappe, il m'a entendu. Oh, pas bonne qui sort. Pas bonne qui sort. Oh là 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 là. Mais quel but! Mais oui, tu peux t'incliner, Gelson Dalla. Il est très beau ce but. Il est très très beau. Alors je sais pas s'il est voulu, mais cette passe déjà. Et oh là là. Oh là 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 là. On a vraiment choisi la bonne équipe pour débuter. Hein. Alors peut-être que c'est comme ça dans toutes les équipes au final. J'en sais rien, puisque je vais pas faire une équipe. Enfin, une. Je vais pas tester avec toutes les équipes, mais. Mais franchement, on a choisi une bonne équipe pour débuter. Et oui, Maxime Grindel pour le 4-0. On est intraitable face au gros. C'est bon ça, c'est bon. Oh là. Ah non, hors jeu, hors jeu, hors jeu. Et donc, c'est fini face à Nice. 4-0, 8,2 de notes. Ça faisait je sais pas combien de temps que j'avais pas eu une note comme ça en gardien. Enfin bref, voilà. On a fait nos 5 matchs, ça s'est plutôt bien passé. À part le match face à Nantes où ça a vraiment été difficile. Donc on est quatrième de Ligue 1 à 4 points du premier, donc c'est pas trop mal. Ben Davis revient parce qu'il était blessé. Et donc, tac, le prochain match, ça sera face à Lille. On s'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que le nouveau type de montage et tout ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous convient mieux qu'avant. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo si elle vous a vraiment plu. Et à vous abonner pour rejoindre comme le monde de la folie et suivre la suite de ce Let's Play César Tricks. Bisous tout le monde.